Salut à vous, chers amis sportifs internautes. La Ligue des Champions, la phase retour, démarre ce soir. Deux affiches au programme. Borussia Dortmund qui reçoit Tottenham Hotspur et le Real Madrid reçoit Ajax. Après avoir signé un succès en huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund 3-0 il y a trois semaines, Tottenham aurait toutes les raisons d'aborder sa seconde manche avec confiance et sérénité. Mais en conférence de presse ce lundi soir, c'est plutôt une certaine tension que Mauricio Pochettino a laissé transparaître. Il reste néanmoins positif sur la capacité de son équipe à finir le travail. Borussia Dortmund, qui a perdu son match le vendredi dernier face à Hamburg en Bundesliga, a-t-il encore les arguments pour renverser Tottenham à domicile qui avait battu à l'aller 3-0? Une question qui se pose. Parlons de la seconde rencontre de la même soirée. Après le dernier entraînement avant le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre l'Ajax, Modric a comparu devant les médias. Le Croate a déclaré: pour nous, un match de Ligue des Champions est toujours très important et surtout le match de demain contre une très bonne équipe jeune et ambitieuse. Ce ne serait pas facile, mais nous sommes préparés pour finir un grand match et nous qualifier, ce qui est très important et signifierait beaucoup pour nous. Parole de Modric. L'Ajax, quant à lui, aborde le match du Bernabeu avec 3 jours de plus de repos que le Real Madrid, puisqu'il a profité du report de son match de championnat face au PSG Zolé. Et il le fait de plus avec la motivation d'enchaîner 3 victoires consécutives après sa défaite face au Madridistas dans son stade. En Eredivisie, il a écrasé le NAC Breda 5-0 et le ADO Den Haag en 5. Pour son dernier rendez-vous, disputé le 27 février, il a accédé la finale de la Coupe après avoir battu Feyenoord 0-3. Chers amis sportifs internautes, bye bye.